Coucou Claudia. Coucou Candice. Je suis contente de vous retrouver parce que demain, c'est le grand jour. Je cours demain, mon challenge, c'est 10 km. Et je suis un peu nerveuse, mais je sens qu'avec tous tes bons conseils, ça va m'aider à me déstresser. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité et la coordination du bassin, des genoux et des chevilles, et aussi les étirements. T'es prête? Oui. On y va. Au début, on va travailler plutôt le pied, c'est-à-dire la cheville. Allonge la jambe gauche. Tu vois que c'est pas mon fort. Hein. Non, mais là, tu vas voir, c'est un travail très doux parce que c'est vraiment la flexibilité, la coordination. Et on continue. Plie les genoux. Très bien. On commence avec la jambe droite. Cette jambe, elle est détendue. Exactement. Pointez s'appui des bras pour soulager le dos. Très bien. J'inspire, tu vas monter les pointes des pieds, tu vas mettre les poids ici, on travaille la jambe droite, c'est-à-dire celui-là, elle est toc, on travaille que la jambe droite. Ok, très bien, tu pointes, t'inspires, tu souffles, tu redescends. Très bien, essaye de ne pas serrer tes orteils. Tu veux que je pointe quand je vais là-haut? Exactement, c'est-à-dire. C'est dur de pointer. Non, tu soulèves, c'est-à-dire tu soulèves les orteils, tu soulèves le milieu des pieds et tu presses dans tes talons. Très bien, t'inspires, tu souffles, pareil, tu déroules très doucement, milieu des pieds, bout, orteil, encore une fois, très bien, inspire, tu soulèves, et souffle. Tu vois, pour la course, c'est très important, tes articulations, il faut que tu les protèges, encore une fois, bout, c'est la troisième, on va faire 100 fois. Essaye aussi. Heureusement que je comprends bien ton accent et j'ai compris que tu disais 5 fois et pas 100 fois. Ah. Parce que j'ai entendu 100 fois. Non, je me suis dit 5 fois. Okay. Je te connais. La dernière. Tap, talon. Très bien. Ok, dans l'autre sens. Approche un petit peu plus les talons de tes fesses. Très bien. Tu inspires, tu soulèves les talons et cette fois-ci, tu cherches l'appui dans les gros orteils. Et tu reposes très doucement. On continue, c'est encore 3 fois. Tu pointes, très bien. Mets des poids sur la grosse orteil. Regarde, laisse tes doigts. Tu vois comment c'est contraint vers l'intérieur? Voilà, il te cherche. Et descends très doucement. Milieu des pieds, talons. Encore une fois, presse et monte. Très bien. Et descends, dernière fois. Et monte. Et redescends. Très bien. Tu allonges la jambe droite, tu plies la jambe gauche, le même exercice. Tac. Place bien ton pied, proche des mains. On y va, on commence talon. Et déroule. Pense au milieu, à la voûte plantaire. Tu descends, c'est le milieu des pieds, c'est le talon et le orteils. Encore une fois, allonge, soulève, très bien, tu vois, très bien. Et pose. Encore 3 fois. Inspire. Pareil, tu montes les talons, tu cherches. Voilà, tu vois ton ressortail comme ça décolle, essaye de chercher. Et même quand tu fais le point, tu sentirais que peut-être il y a un petit peu moins de contact avec tes petits orteils, mais surtout c'est la grosse orteil qui te cherche dans le sol. Et tu redescends. C'est très important de s'appuyer. Très bien, relâche tes pieds. Voilà. Et flex, encore 3. Cherche le poids dans les grosses orteils. Et dépose tes talons. Dernière fois. Et redescends. Très bien. Cette fois-ci, c'est les deux jambes en même temps. On y va. Tu plies les genoux, les pieds. Très bien, sont proches. Les genoux aussi connectés. On y va. Talons. Et pose les pieds. Encore 2. Et pose les pieds. Très ça va, c'est cool, hein? Ouais, mais tu sens. Oui, bien sûr, mais c'est pas... Même si tu veux, tu peux placer tes mains et tu verras tous les muscles qui s'activent pour soulever. Et tac. On a fait 3, encore 12, c'est 5 fois. 4. Et 5. Dans l'autre sens, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il y a les deux, mais essaye de chercher toujours tes grosses orteils. Très bien. Et voilà.
Cette fois-ci, par contre, tu n'as pas besoin de toucher ici. C'est Pluton et stabiliser. Et tu cherches tes pointes. On y va. Et passe tes talons. Encore trois. Tension de ses épaules, même. Ne les laisse pas monter. Très bien. Et dernier. Ok. Dernière fois, on mélange tous les deux. Tu fais une pointe sur les talons et tu bascules vers les orteils. Très bien. Talons. Et taille. Très bien. Chaque fois, tu cherches plus d'amplitude, plus pointé, plus soulever les talons. Et talons. Presse. Et pointe. Très bien. Dernière fois. Et tu pointes. Très bien. Allonge tes jambes le long des tapis. Et tu déroules très doucement. Tu déroules très doucement pour t'allonger sur les dents. On y va avec les bras. Voilà. Très doucement. Très bien. Écarte tes jambes un petit peu plus, toujours parallèle. Ok, très bien. Tes bras sont longs du corps. Ok, t'inspires. Il y a les deux pointes des pieds qui vont tourner. C'est une rotation interne. Tu souffles, rotation externe. Et tu vas trouver comment tu bouges la tête des fémurs dans ton bassin. Tu vois, il fait ça et il fait ça. C'est pour prendre conscience comment il bouge les corps et comment il faut que tu les gardes pendant la course. Très bien. Inspire, la rotation externe, rotation interne. Va chercher les pointes, même si tu peux les rapprocher, cherche très très loin, bravo. Et encore, deux fois. Inspire, rotation externe, bravo. Et souffle, tu sens ça, comme ça travaille ici. Et la rotation externe. C'est plutôt des sensations plus qu'un travail vraiment. Tu vois, tu as des sensations, ton bassin, comment bouge tes jambes par rapport à ton bassin et l'importance de qu'il reste stable. Très bien. Très bien. Rapproche tes pieds parallèles. Tu veux chercher un ballon. Tu vas travailler un petit peu cette fois-ci. Là, on s'est concentré un petit peu, on va dire, sur les chevilles. Et les pieds soulèvent les jambes et tablette, toujours avec contrôle. Jambe droite, tac, une tablette. Pose la tête dans le sol. Inspire, souffle, jambe gauche. Les deux. Ah. Tu gardes la droite. Tac, je te place les ballons. Ok. Place tes talons. Ok. Tac, flex. Ok. Tes bras sont longs du corps. Tu vas inspirer, tu vas allonger les jambes. Je peux placer mes mains derrière tes fesses. Tu vas penser que c'est derrière les cuisses que ça passe. Tu presses mes doigts pour allonger les jambes. T'inspires, tu souffles, pareil, tu penses que c'est tes deux genoux qui flottent vers le plafond, qui ramènent. Mais en fait, c'est les talons. Exactement. Qui font tout le boulot là. D'accord. Inspire, presse ici, active ici, tu penses que c'est là. Sac, ton bassin il est stable. On travaille toujours la stabilité du bassin. Les rappels des abdominaux, tu souffles, tu imagines une petite plastique qui est connectée à ton nombril et c'est tes abdominaux qui ramènent tes jambes. Encore trois fois. Inspire, presse. Plus de fluidité, réfléchis moins à ce que tu es en train de faire et profite plus, souffle. C'est une toi très légère. Encore une fois, inspire, presse mes doigts. C'est l'arrière des jambes qui allonge les jambes et souffle. Pas plus. Très bien. Dernière fois, inspire. Et tu souffles. Très bien. Garde toujours les pieds flex. Très bien. Presse un petit peu plus. Souviens-toi toujours qu'il faut que tu gardes cet angle de 90 degrés. Ok. On garde la position. T'inspires, tu souffles et tu laisses flotter les genoux, les pieds droits. Pas les genoux, pardon. Et tu laisses flotter. Tu es en contact que. Non, non. Tu gardes en contact avec la jambe gauche. C'est que la jambe droite qui flotte. Tchac. Attention. Tu vois, il y a un travail de coordination aussi. Très bien. Garde tes flexes. Pour que le ballon ne bouge pas dans tous les sens, il y a une légère pression vers le sol. Mais tu ne penses pas à la force, pense vraiment à une légère pression. Ne crée pas des forces et des tensions dans les corps, il faut qu'il soit doux. Très bien, on travaille cette jambe. Tu allonges 5 fois, c'est la deuxième. Et tu souffles. Regarde, plus fluide. J'inspire. Et je souffle. Quatrième. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Très bien, change des jambes. Tchac. Place toujours. Non, avant de soulever la jambe, il faut que tu trouves toujours ta ligne médiane. C'est-à-dire, on a travaillé la jambe droite. Tu poses les deux pieds, les deux talons.
sont parallèles, sont connectées. Toi, inspire, tu souffles, avec contrôle, tu soulèves. Très bien. Et tu places ta jambe. Ça ne bouge pas. On y va. 5 fois. Inspire, tu prends ça à l'arrière. Et souffle. Allonge la jambe. Sans partir en hyperextension, mais allonge. Presse les talons vers l'avant. Très bien. Et reviens. Encore 3. Attention que tes genoux ne sont pas vers ta poitrine. 90 degrés. Pareil. Et c'est à cette hauteur que tu t'arrêtes. Tchac. Très bien. Les deux derniers. Inspire. Et souffle. Tu sens les 3 articulations qui travaillent. Il y a le bassin. Flexion. Les genoux. Et la cheville un peu moins, mais là on va le trouver parce qu'on va jouer avec le pied. Très bien. Dernière fois. Tu... 2 talons sur les ballons. Très bien. Ok. T'inspires, souffle. La jambe droite qui flotte encore une fois. Très bien. Et là, tu vas mimer un petit peu les gestes, comme si tu étais en train de courir. Et pour ça, ton bassin est resté stable. C'est-à-dire, tu allonges la jambe gauche. Très bien. Et tu twistes, tu allonges la jambe droite vers le ciel, sans la pousser. C'est-à-dire, tu es sur le sol, cette jambe, il flotte. Cette jambe est en contact avec les ballons. Tu presses. Et tu mimes. Il y a une jambe qui flotte, il y a une jambe qui reste en contact avec les ballons. Mais du coup, le ballon, il s'en va un peu, non? Pas du tout, parce que cette jambe... On recommence. Place tes jambes en tablette. Place tes talons. 90 degrés. Toujours les positions de départ. Ça, c'est ta position de départ. À la fin de l'exercice, il faut que tu les trouves. OK? Très bien. Tu fais flotter la jambe droite. Très bien. Pas plus. Là, tu vas faire les gestes. Mais ce pied, il va rester en contact avec les ballons. Et ce pied, il va flotter. OK? On y va. Garde cette jambe pliée. On y va très doucement. J'inspire. Et je souffle, j'allonge. Et je plie, tu mimes. Et tu presses. Ah, tu ne changes pas. Trappe. Très bien. C'est pour ça que je ne comprenais pas comment tu faisais pour changer. 4. Très bien. Attention quand tu ramènes tes genoux, que ton bassin ne part pas vers toi. Neutre. Très bien. Encore 3. Tu peux mettre tes mains sous tes épines iliaques pour voir si ton bassin elle bouge et comment elle s'organise par rapport au mouvement. Tac. Dernier. Pose les 2 talons sur le ballon. Tac. Ok, jambe gauche qui flotte. Pareil. Quand tu allonges la jambe, cherche le point des pieds. Ok? Et on y va. Tu presses les talons. Bravo. Et encore 6. Tac. 5. Contrôlez. Ne laisse pas tes genoux trop monter. Pas plus. Et tac. Encore 3. Et 2. Et dernier. Jambe en tablette, pose tes 2 talons sur le ballon. Très bien. Talons, toujours talons. On n'a pas changé de position. Très bien. Si tu vois que ça te fatigue un peu, n'hésite pas. Hop, tu mets un petit peu les mollets. Tu vois, tu cherches vraiment un confort. Parce que ce n'est pas une pression, comme je t'ai dit, ce n'est pas la force, c'est vraiment le poids de tes pieds. Ok. Tu peux écarter un petit peu plus tes pieds en parallèle. Un petit peu. Voilà, largeur de ton bassin. Attention à tes genoux. Très bien. Les 2 pieds en même temps, tu allonges les pieds, tu presses les talons vers l'avant, allonge. Et reviens. Encore, 3 fois. Inspire. Presse tes talons quand tu allonges les jambes. Fais un flex, active derrière, presse. Flex, regarde. Tac. Et tu reviens, genoux qui flotte. Dernière fois. Presse. Très bien, encore une fois, allonge les jambes. Très bien. Écarte les pieds, rotation externe. Tchac. Et les genoux qui flottent, ils sont écartés. Largeur du bassin. Inspire. Parallèle. Et les genoux qui reviennent. Encore. Inspire. Presse. Rotation externe. Et les genoux. Pareil, tu vois comment tu organises par rapport à ton bassin. Chaque fois, la rotation. Très bien. Parallèle. Et tu plies. Presse, rotation externe et tu plies les genoux. Encore parallèle. Très bien. Dernière fois. Attention, tes genoux sont trop proches de la poitrine. Tu t'arrêtes là, ta tablette. Tu vois? Ça. Et tac, et tu reviens. Dernière fois. Très contrôlé. Presse, rotation externe. Allonge jusqu'au dos. Active ici les abducteurs. Parallèle. Et tu fermes. Très bien. On stabilise. Je soulève les ballons, tu vas passer un pied après l'autre par terre. Ça va? Tu vois, c'est très doux, c'est vraiment ah oui, des sensations. C'est vraiment très doux. C'est-à-dire en fait. Comment ça bouge, comment tu sens, comment tu t'organises et surtout, tu penses à stabiliser bien
ton bassin. Et surtout aussi la coordination des trois flexions, la del bassin, la del genou et la de la cheville. Très bien, on a fini. Allonge les jambes. Très bien, dans le sol. Les bras longs du corps. Très bien. Inspire, souffle, ramène tes genoux vers la poitrine. Voilà, genou droit. Tu gardes la jambe gauche allongée dans le sol. Très bien, presse. Ok. Inspire, souffle, tu presses les genoux vers la poitrine. Tiens, ses pieds, il les flex. Très bien. Encore une fois, inspire, souffle, toujours dans les souffles, légère pression. Et pareil, tu essayes d'avoir les pubis vers l'avant pour que ton bassin il reste le plus neutre possible. Parce que souvent, on tire la jambe et le bassin s'arrondit. C'est ça qu'on ne veut pas. On a parlé de ça, tu te souviens? Pareil, on y va. Inspire, souffle, presse les genoux vers la poitrine. Très bien. Relâche tes épaules. Regarde devant toi. Très bien. Inspire, souffle, presse un petit peu. Et en même temps, tu positionnes. Presse les talons vers l'avant. On étire les psoas. Inspire, souffle, presse. Dernière fois, presse. Allez, souffle. Très bien. Bloque un petit peu la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche et tu changes de jambe. Tchac. Ça, c'est bien pour toi si tu as mal au dos. Très bien. Inspire, souffle. Genou vers la poitrine. Encore une fois. Deuxième. Presse. Super. Pense à ta position. Ses pieds les flex. Très bien. Bien long. Bravo. Dernier. Presse. Très bien. Bloque un petit peu la position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout relâche. Très bien. À l'aide d'un tir avant, on va t'étirer un petit peu les jambes. Très bien. Tu vas placer ça sur la plante du pied droite. Allez, comme ça. Il t'attrape les deux que je t'aide. Voilà, tu vois. Ok. Tu peux garder cette jambe allongée. Je préfère. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il va être long. Tu vas chercher la ligne médiane et les flex. Comme ça, on active aussi. Très bien. Garde la jambe tendue. Ok. T'inspires. Essaye de placer tes épaules, même si tu as le tir avant. Très bien. Ok. Toi, inspire. Ne laisse pas la jambe tomber. Très bien. Tu inspires, tu souffles. Tu vas ramener la jambe vers la poitrine. Encore. Tu presses. Tu presses. Parce que tu sens que c'est tire derrière. D'accord. Une fois que tu tires, garde la position. Sens que c'est tire. Très bien. Tu fais un point de flex. Très bien. Garde ça. Tire un petit peu plus pour sentir que c'est tire les ischios jambiers. Très bien. Tu sens. On bloque la position. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Très bien. Attrape le tir avant avec la main droite. Très bien. La main gauche, elle peut rester longue. Très bien. Garde la jambe tendue. Ok. Je te place bien le tir avant parce que des fois, s'il est mal placé, ça fait mal aux orteils. Très bien. N'oublie pas cette jambe. Bien aligné vers la ligne médiane et flex. Très bien. Tu inspires, tu souffles, tu laisses tomber ta jambe. Attention à ton bassin. La limite, ça va être que ton bassin, elle bouge. Là. Rapproche un petit peu la jambe vers toi. Est-ce que tu sens que c'est tire les abducteurs? Si ce n'est pas beaucoup, tu descends encore plus la jambe. C'est là que tu vas sentir. Est-ce que tu sens que c'est tire? Encore plus vers toi. On rattrape le milieu. Encore une fois, inspire, souffle, ramène la jambe vers toi. Très bien. Inspire, souffle. Écarte. Allonge la jambe. Là. Très bien. Tire. Parce que là, c'est moi qui presse. Très bien. Garde la position. Poids dans tes pinéliacs. Je vais partir de l'autre côté. D'accord. Tu sens là. Très bien. Bloque un petit peu la position. 1. 10 secondes. Très bien. 5 derniers. 2. 1. 0. Et tout relâche. Très bien, garde les jambes tendues. Très bien. Change les mains, attrape les tirs avant avec les bras gauche. Très bien. Bras long. Inspire, souffle, tu laisses tomber la jambe. Vers le côté. Ah, ça, c'est elle qui fait plus mal. Mais c'est bien, garde la jambe tendue. Tire un petit peu, c'est toi qui tiens ton étirement. Ah, pardon, c'est vraiment mal. Ok, c'est là. On y va. 10. Très bien. Non, c'est surtout là derrière le. Ah, c'est plus les mollets, il faut que tu sens plus ici et même les fessiers.
C'est-à-dire peut-être tu tires un petit peu vers toi. Allonge la jambe. Moins d'amplitude. Ok? Regarde. Là, je sors. Oui. Mais la jambe, elle n'est pas tendue. Oui. Voilà. Et comme ça. Tu vois, on essaye d'étirer l'extérieur. Ça, les muscles t'effets. Ça y est? Ok. Relâche. Tu plies les genoux, tu les places par terre et tu changes l'étirement pour l'autre jambe. Allonge la jambe droite et le pied flex. Très bien. C'est important aussi tes placements des épaules. Très bien. Même si tu es en train d'étirer, tu es bien placé. Tu ne laisses pas tes épaules monter. Ok. Inspire toujours dans les souffles. Ramène ta jambe vers la poitrine. Très bien. Tire un petit peu ton tiroir. Que s'étire l'ischio jambier. Ça va? Tu me dis si j'ai pressé. Hein? C'est toi qui le tire avant. C'est toi qui décides où tu t'arrêtes. Je pense que dans les étirements, il faut sentir qu'il s'étire, mais il ne faut pas sentir la douleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder la position avec un douleur. Sinon, avec un espèce d'étirement, tu sens que ça tire, que ça travaille, c'est là que tu arrêtes. Ok? On y va. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. J'étais plus vite parce que tu avais déjà la position. Garde la jambe tendue. Très bien. T'inspires. Attrape. Les sangles avec la main gauche, tu lâches la main droite. Très bien. Inspire, souffle. Abducteur. Très bien, ça c'est bien pour ton bassin, tu vois. Si tu ne sens pas que c'est tiré ici, fais que tu tires un petit peu vers toi. C'est toi, parce que c'est moi qui te presse. Voilà. Je te lâche. Je sens le poids de ton pied dans ma main. Je te lâche. Ça va? Très bien. Tu sens que ça passe ici? Très bien. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, et relâche. Très bien, change de main. Inspire, souffle. Celui-là, il fait mal. Mais je suis étonnée que tu es dans les mollets. Il faut que je regarde ça parce que souvent, c'est là et même un petit peu les fessiers. Mais pareil, il faut que tu gardes ton bassin et ramener un petit peu tes jambes vers toi pour sentir ici. Un petit peu plus ici, toujours le mollet. Non, je sens surtout le mollet. Moi, je sens surtout ici. D'accord. C'est comme si on étirait encore les ischio jambiers. Ah, attention, c'est ton bassin qui l'est décollé aussi. Très bien, on y va. Tire. Et vers toi. Un peu mieux. Ah voilà, il faut que ça te sente. Là, je pense que tu dois sentir un petit peu plus les fessiers. Très bien. Garde la position quelques secondes. Encore 5, 3, et relâche. Très bien. Ok, j'ai une nouvelle la poitrine. Petite bascule de poids, tu viens te asseoir. Pareil qu'avant, tu croises les jambes des côtés. Très bien, tu es à genoux. Très bien. Et position de repos. T'as tu restes sur tes genoux, tu allonges les bras vers l'avant et tu t'assois sur tes talons. Si tu veux, tu peux écarter un petit peu tes genoux pour laisser passer la poitrine. Un petit peu plus. Très bien. Ok. Les bras longs, très très longs et la tête posée au sol. Très bien. T'inspires, tu souffles, plus tu presses tes fesses, plus tu allonges devant, plus tu sens l'étirement des deux côtés. Encore une fois, inspire, allonge, toi, il presse tes fesses vers les talons. Très bien. Ok. Tu vas marcher vers les côtés droits, trois petits bas avec tes mains. Un, deux, trois, vers les côtés. Deux et dernier. Très bien, pareil. Bras gauche très loin, doigt majeur qui cherche la longueur. Très, très loin et tu presses tes fesses vers les talons et tu sens tous les flancs gauche qui s'étirent. Encore une fois, presse, allonge tes mains, presse tes fesses vers l'arrière. Tac. Dernier, inspire et souffle. Prochain souffle, tu viens au milieu et tu changes tes côtés. Très bien. Ok. Presse tes fesses, allonge tes bras. Ouais. Très bien. Inspire, souffle, presse. Très bien. Sens qu'il s'étire, que ça ouvre. Encore. Inspire, souffle, étire-toi. Très bien. Tu passes au milieu. Tu marches encore avec tes mains. Très bien. Prochain souffle. Attention, un petit peu plus. Tac, tac, tac. Regarde. Là, tu es vraiment aligné. Ok. Dans les prochains souffles, tu absorbes ton centre. Tu reconstruis la colonne vertébrale vers la position assise.
Et très doucement, ramasse tes bras, articule ta colonne vertébrale. Tac, tac, et tac. Tu te mets sous le ventre. Tu m'allonges sur le ventre? Oui, sous le ventre. Très bien. On va travailler un petit peu les extensions des dos. Très bien. Tes deux mains devant, une sur l'autre. Très bien. Et tu mets les fronts sur tes mains. Très bien. OK. Tu inspires. La position des jambes, c'est très bien. Tu es déjà en rotation externe. C'est rotation... Non, ça c'est interne. Très bien. Tu étais bien avant. Pardon. Tchac. Rotation externe. Cette rotation externe te va permettre d'avoir le pubis ancré au sol. Les abdominaux engagés. Très bien. Tu inspires. Tu allonges les jambes. Tu l'allonges tellement qu'ils vont se décoller du sol. Et tu poses. Très bien. Moins de force, plus contrôlé. J'allonge et je dépose mes pieds très doucement. Très bien. Encore trois fois. Ici, moi, qui t'ai aidé. Très bien. Tu inspires, tu t'allonges. C'est comme si quelqu'un te tire. Tu soulèves les jambes et il y a le fessier qui s'engage et tu poses. Encore une fois, toute seule. Inspire. Bravo. Engage tes fessiers et tu poses. Une dernière fois, allonge. Et poser. Très bien. Tu soulèves la tête et tes mains en même temps et l'externe. Et avec les mains, en contact avec tes fronts. C'est-à-dire comme ça. On y va. Tu montes. Et tu poses. Très bien. C'est comme si tu montrais l'externe devant toi. Pas plus. Et tu montes. Très bien. Il y a l'activation des jambes. Bravo. Et trois. Poser. Dernier. Très bien. Tu viens en position de repos, c'est-à-dire tu presses tes paumes des mains dans le sol et tu viens t'asseoir sur tes talons. Très bien. OK. Cette fois-ci, tu viens t'asseoir encore une fois dans un souffle sur tes talons. Très bien. Accroupi. Presse les mains dans le sol. Talons qui pressent dans le sol, allonge les jambes. Garde tes mains en contact avec le sol. Inspire, souffle, relâche la tête, relâche les bras, relâche la poitrine vers le sol. Encore une fois, inspire, souffle, cherche un petit peu plus d'amplitude. Et la tête qui cherche tes genoux. C'est comme si tu voulais faire des bisous à tes genoux. Encore, bravo. Inspire, souffle, encore une fois, tu presses, tu cherches plus d'amplitude. Bravo. Plie les genoux. Tchac. Inspire, souffle, presse les talons dans le sol, allonge les jambes, absorbe ton centre, serre tes fessiers et reconstruis la colonne vertébrale vers la position debout. On y va. Et bon, ça. Il ne faut pas que tes fessiers partent en arrière. Bon. Place tes épaules. Voilà, et tu regardes ma tête. Toujours petit travail d'équilibre. Cette fois-ci, on va changer, on ne va pas faire les demi-pointes. Tu te mets sur le sol, face à moi. Très bien. Les pieds sont parallèles. Très bien. Place bien tes épaules. Ton centre, la taille très longue. Quelqu'un t'étire dès le sommet des crâne. Légère déportation vers ta jambe droite. Très bien. Tu pointes la jambe gauche. Très bien. Ton bassin, même, tu peux mettre les deux mains sur tes épines iliaques. Très bien, j'aspire, je souffle. Ici, mon genou qui flotte. Tiens, cherche un point fixe devant toi. Garde la position. Bravo. Et tu la pousses doucement. Parallèle. Encore. Très légère déportation des pas. Pas énorme, c'est toute petite. Tchac. Et là, tu pointes. Avant de monter le genou, tu pointes. Et après, tu soulèves le genou. Parce que si tu vas trop vite, tchac, et je monte, tu vois, il y a mon bassin qui va avec. Et nous, il faut qu'il reste stable. Il y a le même niveau. Pour ça, déportation de poids, tu pointes. Et en même temps que tes genoux montent, tes fessiers descendent. Tchac, bravo. Ah, regardez devant toi. Il faut que tu trouves un point fixe. On charge une dernière fois de chaque côté. On y va. Et là, laisse flotter ton genou. Bravo. Et tu poses tout doucement. Passe pour les parallèles. Plus petite ta déportation de poids, elle est trop grande. Plus petit, très bien. Pointe, droite, bravo. Et monte les genoux. C'est le genou qui monte. C'est mieux. Très bien. Garde un petit peu la position. Et tu poses. Bravo. Pied droit devant les gauches.
tu peux regarder tes pieds. Comme ça. Vraiment aligné. Très bien. Regarde tes pieds. Pense à tes abducteurs qui s'engagent. Ton centre. Très bien. Voilà, du corps. Très bien. Dès que tu descends, tu fermes les yeux. Bravo. Mais c'était très très bien. Ah, c'est dur. Hein? C'est dur. Après, quand tu fermes les yeux, n'hésite pas de te servir de tes bras. Toujours quand on a les bras pour nous aider au travail des clés, plus en avant. Il faut que tes bras soient dans tes champs de vision. Plus en avant. Très bien. Descends tes épaules. On y va. Et tu fermes les yeux. Très bien. Descends tes bras, ouvre les yeux et on change. Pied gauche. Essaye de les aligner vraiment droite. J'ai aucune stabilité. Mais ça, c'est bien pour toi. J'ai pas d'équilibre. Et il y a toujours un côté aussi plus faible que l'autre. C'est qu'il y a toujours un côté un petit peu plus difficile. Très bien. Descendez ses poignets. Laisse pas monter. Très bien. Okay. Prends déjà. Point des repères devant toi. Descendez ses poils. Voilà. Voilà nécessaire. Très bien. Regardez-moi toi. Dès que tu te sens fort, bien dans tes appuis, tu fermes les yeux. Bravo. Tous les yeux tout doucement. Et voilà. Très bien. J'ai aucun équilibre. Mais c'est bien ce dernier. Ça va me faire progresser au vélo. Je ne suis incapable de lever la main en vélo pour indiquer mon chemin à cause de l'équilibre. Ah d'accord. Bah, c'est donc ça va me faire, c'est ça qu'il faut que je travaille. Hein. Voilà. C'est parfait. Merci Candice. J'espère que cette séance t'a plu. Merci beaucoup. Et j'espère que vous aussi. J'espère vous voir très bientôt sur la chaîne YouTube du L. Et je souhaite une bonne course, une bonne chance pour cette course de L-Run. Merci encore Claudia pour tes bons conseils. Et nous, on se retrouve demain pour courir ensemble sur la L-Run. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, hop, vous venez me faire un petit coucou et on court ensemble. Alors je vous dis à demain. Au revoir. We'll be right back.